Je suis Maria Salomea Sklodowska, plus connue sous le nom de Marie Curie, femme de science émigrante. Née à Varsovie, Pologne, le 7 novembre 1867, contrainte d'émigrer à Paris en 1891 pour y poursuivre mes études en sciences physiques et en mathématiques, car l'Université de Varsovie, comme bien d'autres universités en Europe à cette époque, n'autorise pas en effet l'accès des femmes à l'université. Je suis devenue la première femme en France à obtenir un doctorat en sciences, la première femme professeure à l'université, la première femme prix Nobel. On m'a attribué le 12e prix Nobel de physique en 1947 et la première à être couronnée 2 fois. J'étais aussi la première femme à siéger à l'Académie des sciences, mais ma candidature fut rejetée 1910 et suscite un débat sur l'accès des femmes aux académies membres de l'Institut. J'étais reçue à l'Académie de médecine 1922 et finalement j'étais la première femme à entrer au Panthéon 1995 en reconnaissance à mon œuvre scientifique et mes mérites. Femme d'aujourd'hui, osez-vous casser les barrières. Si je peux arriver, toi aussi, tu peux. Oui, on peut. Moi aussi, on peut y arriver. On y arrivera. Qui vous êtes? Je suis Rosa Parks et j'étais emprisonnée en 1955 car j'ai laissé la place, je n'ai pas laissé la place dans le bus à un homme blanc. Comme la mère des droits civiques, et j'ai lutté contre la ségrégation à côté de Martin Luther King. Donc, continuez ma lutte. Continuons sa lutte. Voilà, encore une femme importante. Je suis Malala Yousafzai. J'ai failli mourir entre les mains des talibans dans un pays sans voix ni opportunité pour les femmes. Je me bats depuis des années pour les droits. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.